Hi, this is Ken Booth, and you're listening to Party Time Radio. Don't move the dial. I'm a ding! Yeah, Mr. Big up Party Time Radio from France. And me say, yeah, Paris City, Mr. Lodge. Big original up. Party Time Radio playing the best in music. Reggae music. Where we come from? Party Time! Where we come from? Party Time! Party Time 106.3 FM every Sunday 10 PM to midnight. Baddest radio show. Alba Rosie there. Party Time at the Wickedest. Yes, sir. Blessed of the beaters, a warm welcome to everyone. Listen to the Party Time and the voice of Tyrus Riley. Singing. Well, musically inclined. Every Sunday, hey, 106.3 FM is a blessing for them. See? Party Time. Listen, me know this is Gabriel speaking. Right now it's all about Party Time. 106.3 FM, Paris number one reggae show. Party Time Radio every Sunday. Yeah, keep the fire burning. Bonsoir à toutes les auditrices, tous les auditeurs bien connectés sur les ondes du 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. 22h minuit, le rendez-vous hebdomadaire du reggae avec toute l'équipe de Party Time. Vous êtes bien connectés également sur internet par le biais du www.rfpp.net. Ça, c'est le site officiel de la station. Et vous êtes également connectés sur le www.partytime.fr. Vous avez l'audio, la vidéo, le chat en direct, plus les pages de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour réagir en temps et en heure pendant l'émission. Bref, bienvenue à tous et à toutes pendant ces 2 heures avec toute l'équipe. Chica est là, Matt est là, Monsieur Flo est là, moi-même Francky, je suis là. On en place une bien sûr pour Lizou qui était avec nous ce week-end, en début de week-end, qui est rentré tranquillement. On en place une pour Tarzan, pour Peter, pour l'Indien, pour bref, pour toute l'équipe de Party Time, pour Antoine et voilà toute la famille qui ne sont pas là ce soir. Au programme pour ce dimanche 22 novembre 2015,
un artiste qu'on a déjà suivi pas mal pour sa scène dub. Il revient cette fois-ci avec un groupe nommé The Ligerians, qu'on avait l'habitude de voir avec Rod Anton, pour une expérience, pour une aventure inédite qui s'appelle Intuition. C'est sorti le 20 novembre, c'est-à-dire il y a deux jours exactement, en digital et en CD. Monsieur Joe Pilgrim qui sera avec The Ligerians pour une interview et un live en direct dans Party Time un peu plus tard dans l'émission. On viendra aussi avec une grosse sélection album. On reviendra notamment sur le nouveau de Roman Virgo, Lifted, qui est vraiment un pur EP en attendant le vrai album qui devrait pas tarder à arriver d'ici là. On reviendra aussi avec le nouveau projet de Marginal qui s'appelle le titre éponyme, c'est-à-dire Marginal lui-même, sur Evolution de musique. On reviendra aussi avec le nouveau projet de Yelam, et non plus Junior Yelam, monsieur Yelam tout court, avec Get On Board sur Ivy Ice Records. On reviendra avec la dame qui monte en ce moment dans le reggae, mademoiselle madame Soumti, avec Free As A Bird sur Chapter 2. On reviendra sur l'album de Million Styles, Revolution Time, de Undisputed Records. On reviendra sur le nouveau projet de Aïba Mahar, Diamond Socks. On reviendra aussi sur le nouveau redeem de Frenchy de Maximum Sound, Selecta Redeem. Et on reviendra aussi sur une grosse tuerie jamaïcaine sur le label Larger Than Life, c'est le Hungry Days Redeem, et plein d'autres sélections et de clips pendant cette émission du vendredi, oh là là, le week-end a été dur, Batia. Le 22 novembre 2015, le week-end a été très très long, n'est-ce pas? Très très long, qui le dis-tu? J'ai des flashs qui me reviennent sur la scène du cabaret. Alors, toutes les personnes qui auraient pu prendre des photos de moi ou des films de moi, je vous prie de les supprimer de alors, votre téléphone. TPMP, ils ont la Delormo Dance. Nous, hier, on a eu la Mattia Dance. La Mattia Dance, bien énorme. En forme à la Rabadab Party. Et on a bien kiffé aussi juste avant au Téléramadop Festival qui était full up, 4000 personnes, plein voilà. À craquer. Voilà, malgré les événements, les attentats. Les gens sont sortis, ouais. Voilà, les gens ont prouvé à Daesh et consorts qu'on ne restera pas inactif à leur connerie, on ne restera pas passif. La meilleure façon, c'est de revivre, c'est de sortir, de s'amuser, de prendre ses amis et voilà, de faire une virée toute la nuit en profitant le plus possible de la vie. Et ce n'est pas eux qui vont nous arrêter de vivre. Ils en ont tué certains. On est encore une majorité, des milliards encore sur Terre à vouloir faire la fête. Donc voilà, on a célébré ça ce week-end. Un gros gros big up, mais franchement, au Télérama, qui a fait vraiment sale comble, avec une ambiance de ouf. Moi j'y étais pas, mais on m'a raconté. Et pour ma part, moi j'étais à la Robadub Party. Et voilà, respect à Soul Stereo, c'était salle pleine, ambiance de malade. On a eu le droit vraiment à de la bonne musique, des bonnes sessions, une page de culture avec Maître Fata de Soul Stereo, qui nous a voilà, appris le rocksteady, le ska en fin de session. C'était wicked. Et voilà, merci à tous les gens qui ont répondu présent. Une spéciale, bien sûr, pour Mimi et toute la famille. Et voilà, on a passé en tout cas une bonne soirée. Et voilà, les cernes sont témoins. Hein, sont les témoins, sont la preuve qu'on s'est bien amusé. Trêve de bavardage, on commence tranquillement en musique avant de recevoir Joe Pilgrim et The Ligerians pour l'album Intuition. Je vais le dire en français, ça sera plus simple. En attendant, on va commencer avec de la musique et rien que de la bonne musique avant de retrouver l'agenda dans quelques minutes. Mets-toi bien, mets-toi cool. Big up Mariem, c'est le Party Time qui roule. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bagger lines will have no use. Set the people already choose. Sharpen your arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Government, I see the slop and I say so. Babylon, I run down. See the stone is rolling and rolling. I lie, now say so. A change is coming, yes. While you are talking, enemies you wanna find. So tell me what's the meaning of the rules that you define for it. If you wanna fight, then you should work hard on your rhymes.
this your time. No one up blind, we said, I cry, we bet I cry. Man, nobody try to get our child drawing to the shallows. Nobody trying to fool our eyes. Your light is a shadow, we know. Living no proper, but you no matter. Can't feed the hunger, we are suffer by a dropper. You say Messiah, but you a liar. Try to remember why you're captain on this boat, yeah. Resistance, everyone I know now. Government a liar. The stopping us is so Babylon are run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance, everyone I know now. President, a liar. I see the storm and us is so. Like my boxing gloves. Do you believe? Do you believe in love? I love, 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 Mr. Officer. It's time now to remember your role. If you can't protect the people, you should step out of my road. Cause revolution is just a rolling like a stone. In your town, in all around, we come for run over the crown. Message d'actualité. Resistance, everyone I know. Governmental resistance. Extrait du tout nouvel album de Naman, déjà dans les bacs. L'album s'appelle Rays of Resistance. Big up au Bad Youth. Vous êtes bien connectés sur Party Time. Dimanche soir 22h minuit, tu connais déjà. Reggae music non-stop. Every time, everything looks so fine under the sunshine. This is summertime, yeah. Yeah, I'm gonna get the music out trend. Chica, what we tell them? Hear this. Summertime, girlfriend. All good things come to an end. God, you're my summer love, no time to waste. In our new life, we wanna give you the grace. Summertime, girlfriend. All good things come to an end. With our sweetest time, cause I'm a loving kind. Until the end of time. Someone has a special request for the bad girl called Chica, you know. Party time, rasping to the maximum. Every time, everything looks so fine under the sunshine. This is summertime, yeah. Yeah, I'ma get the music out trend. Chica, what we tell them? Hear this. Summertime, girlfriend. All good things come to an end. God, you're my summer love, no time to waste. In our life, we wanna give you the grace. Summertime, girlfriend. Take a seat, I see you from a distance, looking so sweet. My name's Junior and I'm all the way from Paris. In all this summer, yeah, me, I go run these streets. Girl like you, the girl for me. Your beautiful eyes are making me weak. Take you on a tour now, me and your love now. Summertime, girlfriend. All good things comes to an end. Yeah, you're my summer love, no time to waste. In our life, we wanna give you the grace. Summertime, girlfriend. Time,
le jeune Yelam qui sera là la semaine prochaine dans les studios de Party Time pour nous présenter son nouvel album. Deuxième extrait ce soir, on avait commencé avec une dub plate. On vient avec le Rabadabon theme. Big up Matos, big up Pinto, José et tous les connectés. Looking to have a good wine. Rock them a wine in a the dancehall tonight. Look at them smile, them a feeling alright. Them a move, them a shake in a rubber up style. Stepping out the vibes, no need to be shy. Feeling in a dancing mood. If you're looking at the sky, you can see the full moon. Feeling in a dancing mood. Stop the violence, no need to be rude. London town, we are to the rubber. Sexy, let me rock your body, long legs with a nice belly. Start wind up on me, she pop up like Pepsi. We gonna make like the hot water whiskey. Le jeune Yelam avec son projet Get On Board. On big up un maximum Irie Heights Records. On continue avec le troisième youth de la soirée. L'homme s'appelle Marginal. Tout nouvel album. Et il sera là lui aussi la semaine prochaine dans les studios de Party Time, interview freestyle. Tu connais la formule, rendez-vous dimanche prochain à 22h. Monsieur Marginal, extrait de son tout nouvel album. On continue avec le morceau Je Danse.
vous êtes bien connecté sur la meilleure des stations. Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission s'appelle Party Time. Ne m'en voulez pas si je m'évade un instant. Je danse. Tu danses. Extrait du tout nouvel album de Marginal. Comme tu l'as dit, Francky, l'album s'appelle tout simplement Marginal. Voilà, le mec, il a déjà le melon, quoi. Sur Evolution Music, non, tout simplement. Je pense qu'il a, voilà, simplement le meilleur pour le premier projet d'un artiste. Voilà. C'est bien de l'appeler comme ça et ça se présente. C'est une belle carte de visite. Exactement. Je rigole, bien sûr. Voilà. Big up Marginal to the max. Voilà, en tout cas, un Youth Dancy qu'on suit depuis pratiquement les débuts et qu'on n'est pas prêt de lâcher, qui arrive avec un gros, gros projet sur son propre label. Ça s'appelle Marginal, retenez bien, et téléchargez légalement, projet à soutenir. Il y a plein d'autres projets à soutenir, vous inquiétez pas. En tout cas, il y a aussi les soirées où il faut se rendre pour faire participer le mouvement, voilà, tout ça pour donner de la force aux organisateurs et aux artistes. Donc, comme on l'a dit en début d'émission, c'est pas parce qu'il s'est passé certaines choses qu'il faut s'empêcher de vivre. Donc, on compte sur vous pour remplir les salles de France, de Navarre et d'Europe et partout dans le monde où vous nous entendez. Essayez de remplir les salles et nous ne laissons pas la place à la terreur et à la panique. En tout cas, voilà, c'est l'heure de l'agenda sans transition. J'ai essayé de faire une intro, bon, elle était pas terrible, mais bon, c'est comme ça, c'est du direct, c'est Francky, c'est Party Time. On enchaîne directement la première date qui arrive, c'est dans quelques jours, ça se passe à Poitiers, exactement à la Maison des étudiants, c'est la nuit du dub, 16e édition, et cette fois-ci sur scène, on pourra retrouver Jatari et Speng Band, voilà, j'arriverai jamais à le dire du premier coup, Da Wifi, Sound System et Scoops, il y aura Stepper Alliance, Culture Dub Sound,
featuring Sista Betsabe et tout ça. C'est le vendredi 4 décembre 2015 à la Maison des étudiants à Poitiers dans le 86. On enchaîne directement Reggae Sound All Night. Ça s'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la 14e édition, voilà, avec Lily Melody de Jamaïque qui sera là avec Blues Party, One Mission et Bobos Sand. Ça se passe aux Embruns à la taverne Saint-Antoine, c'est dans le département numéro 29 à Landéda exactement. Et c'est de 21h à 6h du matin, l'entrée est gratuite, c'est le samedi 5 décembre également. Le All Night numéro 14 avec Lily Melody aux Embruns à la taverne Saint-Antoine. Dans le département 29. On enchaîne directement avec un gros événement qui aura lieu aussi en début décembre, le 5 et le 6 exactement. Ça s'appelle Wacky Wacky Music Festival. Ça se passe à Bull Bay, sur la plage de Bull Bay en Jamaïque. Et une fois n'est pas coutume, et ben Party Time est partenaire de cet événement en Jamaïque. Il y a le logo sur les flyers, donc vous pourrez accueillir Raging Fire, Morgan Heritage, Jesse Royal, Kabaka Pyramid, Ibamar, Mystic Revealers, Uprising Roots, Kelissa, Panta Touch, Notice, Earthcry, Cherine, Jemery Morgan, Keida et plein d'autres artistes. Il y aura des sons de système comme Rocker Sound, Roots Revival, Rory Black Dub, il y aura Zig Fans Family, il y aura plein de sons. Donc tous ceux qui veulent faire le déplacement jusqu'en Jamaïque, et ben voilà, ça se passe le 5-6 décembre pour le Wacky Wacky Music Festival en Jamaïque. Donc faites-vous plaisir pour quelques milliers d'euros, voilà. On revient sur Paris cette fois-ci, le 12 décembre, pour le retour des Scatalites from Jamaica pour les 50 ans de l'indépendance jamaïcaine, qui seront au New Morning au 7-9 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement métro Château d'Eau. New Morning qui accueille les Scatalites pour la énième fois à Paris, mais ça fait toujours plaisir de les revoir, même s'il n'en reste plus beaucoup du groupe original, mais ça reste toujours de la bonne musique jamaïcaine, straight from Kingston, Jamaica, avec en première partie la fanfare Tabata Cash. Ah, pas mal celle-là, Tabata Cash. Je découvre le flyer avec vous. Et c'est le samedi 12 décembre, donc au New Morning, Scatalites et Tabata Cash. On reste toujours au New Morning, cette fois-ci le 16 décembre, quelques jours après. Cette fois-ci pour accueillir Holly Cook, grande artiste anglaise, qui revient avec un nouveau projet. Donc c'est le mercredi 16 décembre. La diva du reggae outre-Manche, Holly Cook, au New Morning le 16 décembre. Les autres dates seront retrouvées ultérieurement sous réserve de nouvelles dates qui arrivent entre temps. Sur le site www.partytime, rubrique flyer agenda, mettez-vous au courant aussi sur les pages de réseaux sociaux. Il y a pas mal de sons de système qui organisent des petites soirées avec quelques jours de promo avant. Donc soyez attentifs et vigilants. Nous on continue dans la joie et la bonne humeur en musique avant de recevoir Joe Pilgrim and the Ligerians pour l'album Intuition. C'est dans quelques minutes dans Party Time. Mets-toi bien, mets-toi cool jusqu'à minuit. Selecta Redeem, production Frenchie, Maximum Sound. Le premier sur la série s'appelle Randy Valentine. Cause everybody needs it. And even if you don't need love, you all go feel it. I'm an advocate for love and it's no secret. It's no secret. Please believe me. I close my eyes and this is what I see. Everything's a reflection of me, yeah. The true beauty in modern day beliefs is no one but yourself has to agree, yeah. And I truly believe
world is love. Shelter our hearts when this cold world gets so dark. I don't wanna step on you, would I rather see you standing tall? Cause it don't make no sense at all if me have it rise and you have it fall. It's so easy to get lost in yourself with no care for no one else when we all could use some help. The world needs love. A place to shelter us when this cold world gets so dark. Oh Lord, it's that time again. Me now worry, got me have a brand new smile on my face now. Dernière production du label Maximum Sound. Le rhythm s'appelle Selecta Rhythm. On était avec l'homme qu'on appelle Randy Valentine. On continue la série avec Ras Dimo. Bien connecté 106.3 FM. Party Time Sound. It's a musical vibe I'm feeling. Makes me wanna jump up to the ceiling. But a rhythm sound sweet, make you move your feet. Authentic like my grandmother seasoning. Yeah, could I morning or evening? Come make me wanna lyrical reasoning. And I don't mean lyrical preaching. Musically the Rasta man is teaching. Listen me up, I wanna help you free your mind. So leave all your troubles behind. No matter where you're there, enjoy yourself, allow the war and crime. And listen the instruments I play. I know easy rhythm this way make my day. Rhythm like this make your wow. All your empress, you want to pump you rock and so. Tell me people, can you feel this vibe? Feel this vibe. Can you feel it, feel this vibe? Tell me people, can you feel this vibe? Feel it, feel this vibe. Can you feel it, feel this vibe? So tell me people, can you feel this lyrical vibe that I'm feeling? Good tune man, I sing, I'm a lyric, don't need no cleaning. Come in like sing song with meaning. Real talk is another day dreaming. Nothing more, nothing less, me not in a slackness. I always do my best, but to tell you the truth. Some of us like it and some of us talk about them. No like it, them no in a this. Rhythms like this, some artists can't manage it. Me name them, so me demolish and damage it. Rhythms like this, I just can't resist. It makes me reminisce and I'm loving it. Just like me girl, I'm hugging it. All over the world, I'm plugging it. Listen. Na-na-na. Come catch the vibes I'm feeling. Yeah. Listen to the vibes I'm feeling. Na-na-na. Come catch the vibes I'm feeling. Yeah. Et elle était avec nous hier soir au Dub Télérama Festival. Introducing to you. Sarah Lugo. La douce voix de Sarah Lugo. On en place une pour Supamana au passage. Big up à Chili Bandalero, big up Trendy. Officer.
me zone. Prince to be king, I need a queen of my own. Feel like Ali, but when she come around, you see me in your dream, but I see you in my ride. Hand up on the steering, see there to decide. Easy to decide, there the green, they right beside me. This is the scenery in my mind, do you like it? Yes, I do. There she goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skank into the beat, stare up on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you, cause I really, really like you. Is that so? There's something about you. Oh really? Don't you think so too? Yeah, I mean, don't I love parts you, don't of that. You, don't you, don't you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? I'm not a mercy. This sound drives me crazy. My imagination is running wild. I like fire. You're my desire. Can't help it. I want you in my life. Yes, yes. Big up the Party Time Radio crew, Paris, France. You know, Chica, Frankie, Marty, and all of them. This is J Double Tiger speaker saying peace and love is the only way. Watch your man. Come a little Party Time, the real rockers radio. Come a little Party Time, number one in all the world. Yes, yes, big up the Party Time radio crew, Paris, France. You know, Chica, Frankie. Croisé hier aussi au Dub Télérama Festival. Un énorme big up au crew qu'on appelle Tour de Force. Hey, come a little Party Time, the real rockers radio. A little Party Time, number one in all the world. Ah well, you're my little Party Time, the real rockers radio. You're my little Party Time. Ah well. From the very first time that we meet, well I knew that your frequency's sweet. The baddest radio station in the land. Ah, well. Listen to them double and then forward again. And this is what I say, yeah. Ah, and this is why I say, babe. Ah, from a little Party Time. You're my little Party Time, number one in all the world. Oh well, you're my little Party Time, the real rockers radio. You're my little Party Time. Oh well. Something like a dream. Voilà, le monsieur de Tour de Force en duplet exclusif pour le Party Time. Ils étaient présents sur le Télérama, nouvelle édition de cette année, un peu partout en France. Tour de Force à retrouver, ils étaient nos invités il y a quelques... la semaine dernière, ne serait-ce que la semaine dernière. Et voilà, c'était un grand moment partagé avec eux. Merci pour ce petit duplet. Sans transition, l'invité de ce soir et pas des moindres, monsieur Joe Pilgrim and the Ligerians, il nous vient à la base du Bénin. Il est établi vers la région de Lyon. Il nous vient avec un nouveau projet, un nouvel album, après avoir pas quitté la scène dub, mais avoir parcouru les plus grandes productions, les plus grandes compiles. Il revient avec un nouveau groupe, le groupe de Rod Anton, mais une nouvelle production. Un nouveau projet, ça s'appelle Intuition, ça vient de sortir le 20 novembre, c'est-à-dire il y a deux jours. Et on écoute tout de suite le premier extrait ce soir, ça s'appelle Go Down the River. L'album c'est Intuition, Joe Pilgrim dans les studios de Party Time. Thank you.
water. Drowning plants are dry and thirsty. Go down the river, where is water? Fish and eel can no longer breathe. Premier extrait ce soir de l'album Intuition, c'est sorti le 20 novembre en digital et en CD sur le label Soul Nurse Records avec The Ligerians en backing band, Monsieur Joe Pilgrim avec le morceau Going Down the River. Bonsoir les gars, comment ça va Jojo ? Yes, ça va très bien, bonsoir. Je t'appelle Jojo, voilà, direct on est intime, on se connaît. Bah ouais. Avec moi, deux musiciens aussi des Ligerians, il y aura notamment Gabriel qui prendra le micro aussi pour parler en fin d'interview de ce projet. On va revenir sur la carrière de Joe Pilgrim parce que voilà, pour ceux qui le connaissent, il y a eu pas mal d'aventures de compilations, de partenariats, de collaboration avec différents producteurs. Il y a eu toutes ces années voilà, de route en solo. Après, il y a eu In A Rose aussi, le groupe avec le frangin qui a fait partie de l'aventure jusqu'à en venir en 2015 avec ce nouveau projet Intuition and the Ligerians. On va commencer, Joe Pilgrim, présentation. Yes, I. Bonsoir déjà à tous les auditeurs, auditrices. La caméra, le monde entier te regarde. Yes, I, big up. Yes, I. L'aventure de Joe Pilgrim, ça a commencé dans la rue, dans les rues de Lyon, guitare chant. Même avant, parce que tu viens à la base d'Afrique. Ouais. Et que la culture africaine. Moi je suis franco-béninois, donc je suis né en France, de parents béninois. Donc mes deux parents sont arrivés avec l'immigration de 70.
Et donc voilà, j'ai vécu toute une enfance vraiment baignée dans un cocon familial. Très religieux. On allait beaucoup, on allait tous les dimanches à la messe. J'étais enfant de chœur avec mes frères. Belle école aussi. Voilà. Ouais, grave. C'était super, super appréciable. D'autant plus qu'on faisait très souvent des veillées de prière œcuméniques, qu'on partait dans la montagne et ça chantait toute la nuit des chants de louanges. Voilà, et c'est ça qui m'a rapproché du reggae, je crois, quand je l'ai rencontré à 21 ans. J'ai pris ma grosse claque justement parce que je me suis dit mais c'est quoi ce rythme déjà, ce truc où les gars ils prient, en fait ils font des louanges très spirituel, à l'éternel, et j'ai kiffé, et c'est là que vraiment j'ai rapproché avec le reggae, quoi. J'ai lu dans ta bio que c'est pas contrairement à des millions de gens, c'est pas Bob Marley qui t'a vraiment attiré en premier dans le reggae. C'est plus la voix de Joseph Hill, de Culture. Ouais. Son côté wild, sauvage, Joseph Hill, Culture, leur mélodie Behold. Ah. Cette voix très, très nasillarde, mais en même temps très. Mais du coup, tu vois, j'ai beaucoup écouté aussi Winston McAnuff, Waterman Deal, très cet album. Tout l'album, là, c'est juste magnifique. Il a tourné en boucle. Il y a Burning Spear, Winston Rodney. Ça fait vraiment partie de mes fondations, ouais. Des voix très atypiques. Ouais. Bon, c'est pour ça aussi que tu as une voix atypique aussi dans, sans doute, par rapport au reste de ce qui se fait en matière de reggae francophone. J'ai lu aussi qu'il y avait une compilation que beaucoup ont connue à l'époque, French Reggae Partie 2, ouais, qui t'a vraiment ouvert les yeux sur le milieu francophone. J'ai découvert le reggae, à la base, j'ai découvert le reggae avec cette compilation French Reggae Partie 2. Elle fait waouh, c'est bien ça aussi. Il y avait du beau monde là-dessus, ouais. Je me rappelle plus exactement qui. Ça date, mais il y avait une belle brochette d'artistes. Ouais. Et là, à partir de là, tu t'es dit, bon, bah, peut-être qu'un jour, je serai sur la French Reggae Partie 9. La vraie révélation. Ou 24. La vraie révélation, elle s'est faite, en fait, après avoir traduit un texte de Marley, justement. War, qui est le discours d'Ali Selassie devant les Nations Unies. Et là, ça correspondait vraiment à ma vision que j'avais sur la société, sur ce qu'on vivait. Et j'avais vraiment envie de... Parce que je suis aussi issu de toute la vague rap français des années 90. Voilà, l'école du micro d'argent, FFF, Funky Family, Assassin, tous ces textes vachement engagés. Je pense que ça m'a vraiment mis sur la voie. Et Brassens qui m'a... Il m'a scotché. Brassens, voilà, ouais, j'ai bloqué sur notamment l'album qui s'appelle Mourir pour des idées. Peut-être un des premiers rappeurs qu'on a eu en France. Ouais. On va dire ça comme ça. C'est vrai. Je pense que on peut dire niveau de la justesse des mots. Ouais. Je crois que Brassens, c'est un précurseur avec Gainsbourg et d'autres d'autres de l'époque. C'est clair. Ensuite, il y a eu pas mal de temps qui sont passés. Il y a eu une rencontre quand même assez importante, c'est avec Sébastien. Ouais, Sébastien Coindé qui a monté un groupe en Espagne qui s'appelait Global Warning. Cette rencontre, elle est juste mystique. Parce que je venais tout juste de décider que j'allais mettre au reggae. Et en fait, je jouais déjà un peu de la guitare, au lycée, on sait. Et puis Seb, il m'a ouvert la porte au backing vocals, il m'a ouvert la porte à toute la culture reggae, vraiment. Du coup, je l'accompagnais. Son système et compagnie, ouais. Pas son système, justement. Justement. Justement, j'ai découvert que ce qui est de l'aspect du chant proprement dit, c'est-à-dire que je faisais ses backing vocals, on chantait des classiques reggae, comme je disais, et puis lui, il compose énormément. C'est un poète de folie. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui. On chantait pas mal dans la rue. J'étais avec lui aussi sur son groupe qu'il avait à l'époque. On a monté un petit duo qui s'appelait Hosanna. On a fait deux concerts ensemble. Et de là, après, j'ai composé parce que lui, il est parti en Espagne, tout ça. Bon, voilà, il a fait sa vie. Et moi, ça m'a donné vraiment la force pour composer mes propres textes. Parce que j'avais beaucoup de mal de chanter les chansons des autres. Parce que j'avais besoin de me retrouver au niveau vraiment du message. Et du coup, j'ai composé, j'ai écrit et de là, ça m'a... Il y a eu les premiers singles, il y a eu les premiers enregistrements. Voilà. Et la création de ton groupe avec ton frangin. Et tout à fait, Inner Rose. Voilà, Inner Rose. Ben, en fait, qui s'est faite par la suite, parce que j'ai rencontré les gars de Dub Addict entre-temps.
justement dans la rue avec mes morceaux. Et Pila, notamment, Pila Dub, qui m'a dit bah, viens, on a besoin d'un chanteur pour des sound system. Sound system, qu'est-ce que c'est? Voilà, nouvelle école là. Nouvelle école, je découvrais, les gars ils m'invitent, ok, j'y vais. Tac, ça se passe bien, le premier concert, premier sound, et puis après, bah, voilà, ils m'ont dit, viens, on a besoin d'un chanteur titulaire. Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans cette intronisation dans les sound system? Ce qui m'a marqué. La plus grosse différence avec tout ce que tu connaissais avant. Ce qui m'a marqué, c'est cet aspect de communauté en fait. Ce truc où déjà on est au même niveau. T'as retrouvé un peu le côté église? Non, j'ai retrouvé le côté militant. J'ai retrouvé le côté. Comment on dit zut là, dans la rue, pancarte là. Manifestation. Manifestation. Merci, j'ai retrouvé ça en fait, dans les sound system. J'ai trouvé. C'est Motus l'émission ce soir, faut trouver des mots. Les boules noires, les boules. Ouais, c'est vraiment ce côté militant en fait que j'ai kiffé en fait dans le sound system. Et donc après, sur une des dates qu'on faisait sur Lyon, fête de la musique, grosse soirée, parce que Dub Addict Sound à Lyon, c'est voilà. Le centre de référence. Mm-hmm. J'ai recroisé un vieux pote de lycée qui lui faisait du reggae à l'époque où on était au lycée. Et du coup, il m'a dit ouais, je cherche un chanteur pour monter un groupe de reggae. Il dit ben ouais, je veux bien, c'est parti. Et puis voilà, une heure aux aînés comme ça. On a recruté des musiciens sur le tas. La plupart du lycée où on était, qui était plus de la vague rock progressif 70. C'est lié. Et du coup, on a mis ce vibe. On s'est appelé un peu une heure aux roots progressif. Et voilà, on est allé pousser l'aventure jusqu'au Garance, là, en 2013. Voilà, là où je vous ai découvert avec ton groupe. J'avais eu l'honneur même de vous présenter, c'était pour le dernier jour, je crois. Ouais, le vendredi. Voilà, c'était le vendredi après le concours qu'il y avait eu, ouais, tout ça. Ouais, tout à fait. Et vous êtes retrouvés donc sur la grande scène pour ouvrir le bal du dernier jour du Garance. C'était en 2013, voilà, ouais. Exactement, il y a 2 ans. Ouais. Et belle découverte, déjà. Qu'est-ce que ça a fait de se retrouver justement sur une scène mythique comme le Garance en matière de reggae? Ben, c'est tout ce qu'on attendait un peu à l'époque. C'était le first step pour moi. Je me suis dit, ça y est, là, j'ai suffisamment travaillé en sound system. Maintenant, on a une reconnaissance là qui est haute sur une autre scène. Parce que c'est deux scènes bien différentes quand même dans le reggae. Et se retrouver là à côté des plus grands, enfin de ceux en tout cas qui nous ont attirés dans cette musique-là, ça nous a permis de... En tout cas, ça m'a permis de me dire il y a encore un grand monde que j'aimerais connaître et découvrir. C'est que le début de l'aventure. Yes, aïe. Bon. Jusqu'en 2015, on va en venir avec cet album. Entre-temps, le groupe Ina Rose s'est dissous. Voilà, hein, ça c'est, voilà, c'est l'histoire classique de tous. Voilà l'histoire de beaucoup de groupes. Mais en tout cas, l'aventure n'est pas finie. Non seulement pour toi, la preuve, et non seulement aussi pour les autres membres du groupe. J'espère qu'ils ont continué, que ton frangin continue, que les musiciens continuent. Ouais. Peut-être dans une autre aventure, dans une autre expérience. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu dissolution que tout s'arrête. C'est comme voilà, ce qui s'est passé. Il ne faut pas que la vie s'arrête non plus. Il faut continuer. Il faut être plus fort que ça. Il y a eu pas mal de rencontres encore après, juste après ça. Ouais. Jusqu'à en venir avec cette bonne bande aussi de déconneurs et de musiciens que sont les Ligerians. C'est ça. Et on va en parler dans la deuxième partie. Yes, on s'écoute tout de suite un extrait. Let's go. Pas de problème. On s'écoute Blessing Light, extrait de l'album Intuition. Et c'est marqué dessus. C'est approuvé par Party Time. Donc, c'est gage de qualité. On s'écoute tout de suite le deuxième extrait. Blessing Light. Extrait de l'album de Joe Pilgrim and the Ligerians, Intuition, dans Party Time. Guidance. Guidance, goes to guide us.
Morceau Blessing Light de l'album Intuition de Joe Pilgrim and the Ligerians. Voilà, il y a eu un petit changement de dernière minute concernant le troisième morceau. C'est du direct. Tout le monde est bien arrivé à sa place. Tout le monde est bien installé. Voilà, donc on en revient après voilà, l'historique de Joe Pilgrim avec toutes les expériences dub, sound system et live, notamment avec son groupe Inner Rose. 2014, rencontre avec toute l'équipe de Ligerians. Justement, Gabriel va en parler un peu parce que Ligerians, on vous avait déjà reçu avec deux, trois fois avec Rod Anton. Voilà, avec Rod Anton. Rod va bien ? Rod va très bien. J'ai vu le nouveau morceau là qui vient de sortir en clip. Ouais, alors c'est issu de son album Weevolution qu'on était venu voilà, présenter. Voilà, Weevolution, exact. Et puis bah, là, il n'y avait pas eu vraiment de clip sur cet album. Et puis là, il s'est lancé. Il y avait Myton qui était là. Ils sont amis tous les deux. Ils sont acolytes, voilà. Ouais, voilà. Exactement. Du coup, voilà, ils se sont retrouvés pour cette belle initiative. Et encore une fois, une connexion parce que. Le réalisateur de ce clip, c'est Made Up qui joue avec Joe. Avec Joe. Donc voilà, les connexions font que les choses décidément. Se font. C'est plus une grande famille, c'est un microcosme, le reggae. Donc voilà, donc rencontre avec Joe Pilgrim. Comment ça s'est passé alors la rencontre de notre part, c'est Alex, donc un des membres des Ligerians, qui m'envoie le lien du clip de Holy Light, qui est sorti en 2012, il me semble. Et voilà, c'est nous on se dit putain c'est qui ces gars, contactons-le et ça s'est fait comme ça petit à petit. On l'a invité sur la release party de l'album Weevolution. Voilà, il y a une invitation sur scène. À l'Astrolab à Orléans et on a préparé un set d'une demi-heure tout simplement avec lui. Ça s'est très bien passé la rencontre et le concert, sortie de concert, on s'est dit faut qu'on bosse ensemble. Ouais. Rappelons-nous, on se rappelle les numéros et faut puis. Faut pas que ça reste sur l'aventure du. Voilà, nuit, c'est quoi. Ça, exactement. Je t'aime mon amour. Wow.
Et voilà, et ça a donné lieu à ce projet qui est Intuition. Ouais. Alors ça a mis combien de temps pour créer tout ça? Parce qu'il y avait quand même un gros travail avec Rod, notamment sur la tournée, tout ça. Ouais, bah oui. Vous avez trouvé quand même le temps de préparer ce projet-là? Ouais, on a trouvé le temps, bah, grâce notamment, Ligerians a son propre studio. On a autonome. Fait, voilà, on a fait notre label qui s'appelle Soul Nurse, donc qui est aussi le nom du studio. Et voilà, c'est le premier album avec Joe qu'on fait en totale autoproduction. On est aux manettes, tous les Ligerians y sont mis, et on est aux manettes de 100%, quoi. Donc du fait maison. Je fais un gros big up à eux, parce qu'ils fournissent un gros taf. Grave. Et on big up aussi, bien sûr, un des hommes qui est derrière aussi ce projet, qui fait un gros travail, c'est Monsieur Max de I Welcome aussi, qui fait un gros boulot, et grâce à qui ils sont là ce soir. Merci Maxou. Donc cet album, comment vous avez travaillé? Alors beaucoup. Toi, t'as engrangé pas mal de textes. Voilà, j'avais... En choisir une petite quantité réduite pour cet album, comment tout ça s'est passé? En fait, je suis arrivé, j'avais déjà plusieurs compositions guitare-chant. D'accord, de toi-même. Gris, voilà. Que je jouais à l'époque quand j'étais in the bien street. Modestement. Voilà. Et c'est des morceaux qui passent pas forcément ensemble, qui avaient jamais été arrangés. Du coup, les Ligerians ont arrangé ces morceaux-là. Il y a une grosse partie de texte que j'ai fait directement avec eux, parce qu'ils m'ont proposé plusieurs rythmes et des rythmes de leur composition, des trucs qu'ils ont taillé exprès pour l'album. Voilà. Rod n'était pas trop jaloux? Non, du tout. Pas destiné. Du tout. D'ailleurs, on c'est est tous. C'est là qu'il faut la merde. Je le précise parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, mais on est toujours avec Rod Anton. On le suit, c'est un ami. Voilà. Et je le big up encore une fois. Mais vous êtes un band qui a envie de travailler avec qui il veut et pas vous enfermer avec un artiste. Voilà, c'est ça. Et puis nous, on travaille à la rencontre, c'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher quelqu'un à tout prix, quoi. C'est la rencontre qui nous dit on a envie de bosser avec toi parce que ça se passe bien et puis parce qu'on en discute. Là, avec Joe, on a beaucoup discuté de choses et d'autres, de tout et de rien, j'ai envie de dire, pour faire cet album. C'est une rencontre humaine avant musicale. Dans cette interview, le mot rencontre revient beaucoup. Hein. Beaucoup de choses se sont passées par rapport à les opportunités des rencontres. Bah, j'espère que demain, si vous le rencontrez dans la rue, j'espère que ça donnera quelque chose avec Joe. Hein. Chaque rencontre n'est pas stérile, hein, on verra. Je te souhaite en tout cas de faire encore de merveilleux. Ça serait quoi pour toi la rencontre magique, quoi, la rencontre idéale? Comme j'ai l'habitude de dire parfois dans certaines autres interviews, le fantasme musical. Musical, tu vois. Musicalement parlant, la rencontre, là, tu ferais kiffer. En ce moment-là, je kiffe sur Janine. Janine ? En ce moment-là, je kiffe sur Janine. Ah, t'es pas le seul à kiffer sur elle. Non, mais au niveau artistiquement... Ah, c'est une belle femme. Aussi, elle a vraiment un esprit, je vois, dans tout ce qu'elle fait à côté, le yoga, tout ce à quoi elle s'intéresse. Y a une artiste vraiment au fond, et je trouve que c'est ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on... C'est renouer en fait avec l'aspect social, que l'artiste vraiment reprenne vraiment sa vraie place. C'est la chose que j'ai remarqué en Afrique énormément, que les artistes ont en fait une place dans la vie sociale des gens au quotidien. Il est là, l'artiste, il est là dès qu'il dit quelque chose. Et ben les gens se disent, attends, lui, il a dit quelque chose, on va aller voir pourquoi et de quoi il s'agit. Ouais, comme les griots, quoi, vraiment des gens qui ont un rôle social et communautaire tout à fait. Au sein de leur village. Cette rencontre, si a donné lieu, ça donnerait un nouveau projet. On est déjà en réflexion sur différents projets. Ça dort pas. Non, ça dort pas. On a un peu tendance à être surcréatif. Il y en a trop. On peut pas tout assumer. Je vais revenir. Hier, vous étiez. Pour résumer la date d'hier, parce que tu étais en stress pendant 2 semaines, justement à cause de mes conneries, c'est que pendant 2 semaines, j'ai annoncé le concert. C'était quoi le nom de la soirée Osmose. Voilà, la soirée Osmose. Et à cause de la police de caractère, alors l'infographiste, s'il m'écoute, je vais lui tirer l'oreille. Je croyais que c'était dans la ville de Par, P-A-R-D, dans le département 13, dans le Gard. Donc, je crois que c'est le département du Gard, le 13. Enfin, bref, à côté de Marseille. Et en fin de compte, c'était marqué Paris, mais 13e arrondissement. C'est pas le Gard. Le Gard, c'est le 30. Bouches-du-Rhône. C'est Bouches-du-Rhône. Voilà, bon, je suis très fort, je suis pas très bon en géographie. C'est le sud. Bref.
C'est du direct. Celle-là va être encore dans le dossier, celle-là. Et en fin de compte, c'était à Paris, dans le 13e arrondissement, à la Seine. Donc, toutes mes excuses aux promoteurs, à l'artiste concerné. Voilà, je vais m'acheter des lunettes, une canne blanche et un Rottweiler, ça ira plus vite. En tout cas, comment ça s'est passé le concert hier soir? Eh ben, franchement, on a été ultra surpris. Énorme, il y a eu du monde, il y a du monde qui a suivi, et puis l'ambiance était juste magnifique. On a eu des super retours. Les gens, je crois, se sont sentis vraiment apaisés, soignés, je dirais même, pour aller jusque-là, parce que c'est les retours qu'on nous a fait. Parce que cet album, il a vraiment une vibration particulière. Il transporte un message qui est tellement actuel. Chaque parole, je me rappelle au concert, chaque parole que je disais, comment ça résonnait sur ce qu'on vit en ce moment-là, autant sur les événements de ces derniers jours, mais sur un aspect plus mondial et tout ça. C'était assez fou, et les plupart des personnes étrangères qui comprenaient bien l'anglais, les anglophones qui étaient là, nous ont fait ces retours-là, quoi. Je fais un gros big up à toute l'équipe de l'Osmose Party qui a tenu à faire cette soirée malgré les interdictions préfectorales, tout ça et tout. Ouais. Et vraiment, c'était chouette, c'était une belle volonté. Une belle release party pour présenter humblement ce nouvel album. Tout à fait. Et il y a eu du monde, c'est ça qui était le plus fou. C'est vraiment, il n'y avait pas de com, c'était tout par bouche à oreille. Comme internet, voilà, gros big up à tous ceux qui sont venus, qui étaient là. Les gens étaient motivés. On était ensemble. Ouais. Et je peux me permettre d'annoncer que Osmose nous suit et nous fait jouer au New Morning le 1er avril. Donc de retour à Paris. C'est pas une blague. Voilà, non, c'est pas une blague. Non, c'est pas un poisson, c'est un concert. Tu peux me regarder comme ça, elle était pourrie celle-là. C'est pas grave. On va revenir à l'album parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que il y a 12 morceaux et résumés en 4 chapitres. Ouais. Donc il y a Illusion et Crise, en français Illusion and Crise, chapitre 2 The Sparkling Light. Bon, bref, il y a 4 chapitres, je suis désolé, je suis très, très mauvais ce soir. Mais pourquoi avoir divisé cet album en 4 chapitres? C'est venu assez naturellement. Une fois que l'ordre de l'album est arrivé, tout de suite, parce que j'aime bien, par exemple, quand je suis en concert, j'aime bien voir mon concert comme une évolution. On part de quelque part et on va vers un autre point. Là, ça m'a sauté aux yeux aussi, parce que comment les chansons étaient classées, il y avait vraiment ces chapitres qui étaient là clairement par rapport au thème. Du coup, voilà, c'était une évidence. D'accord. 4 chapitres, 12 titres, et ça nous a permis du coup de donner un chemin que je dirais initiatique un peu à cet album. Comme tu dis, les citais, donc le chapitre 1, Illusions and Crisis. Voilà, on a mis des petites citations dans le livret de l'album que vous pourrez découvrir. Voilà, il n'y a pas de problème. Qui traite un peu de l'aspect mondial, de comment on vit nos relations, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, de la crise humaine, de la crise écologique, de la crise de l'eau qui arrive en force. De toutes ces crises, de la crise financière, bien entendu, la crise sociale. Enfin voilà, il y en a pléthore. Le second chapitre. Pléthore, 67 points au Scrabble. On en apprend tous les jours. Le chapitre 2, c'est vrai qu'il fait partie aussi de ce truc où, du coup, on propose une nouvelle lumière. On se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et la citation c'est celle de Martin Luther King qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble en frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Exactement. Et elle résume vraiment tout l'ensemble des morceaux de ce chapitre. Je ne vais pas faire tout le... Voilà, chacun à découvrir. Il y a les paroles dans l'album. Donc, n'hésitez pas à le feuilleter. Voilà, on a voulu vraiment le faire comme un livre de botanique, de plantes, quoi, de plantes médicinales. Que quand tu as besoin de trouver une réponse, un truc, ben,
tac, tu vas feuilleter ton petit truc, tu regardes telle plante, elle soigne ça, ok. Voilà, c'est des sujets qu'on a abordés qui sont des thèmes autant sur la spiritualité, parce que la spiritualité, mon importance dans la spiritualité, c'est que je crois que la divinité, toute déité auquel on prie, en fait, jusqu'ici, on nous a fait croire qu'elle était que masculine. C'était Dieu le Père. Je mets en fait la divinité, elle est aussi féminine. La terre-mère, nos ancêtres, les anciens, les tribus anciennes vénéraient la terre-mère. Et c'est une puissance, la puissance de création qui est partout dans l'univers, qui crée toutes les planètes, les étoiles. Et les Indiens, la connaissance ayurvédique nous dit qu'elle est de type féminine. Voilà, c'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, parce que si on est quelqu'un de religieux ou de spirituel, c'est important d'avoir cette notion-là, que la divinité, elle est alpha et oméga, elle a ces deux polarités-là. Il y a tout un aspect sur les alternatives, parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on a des choses à apprendre sur comment nos ancêtres vivaient, sur le savoir-faire, retrouver un peu ce savoir-faire avec la nature, pouvoir faire des choses de ses mains, pouvoir fonctionner beaucoup plus en solidarité, en collectivité. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont débattus dans cet album, et c'est des sujets sur lesquels j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices à pouvoir communiquer, échanger entre nous. C'est des temps où il faut le faire, quoi. Il faut vraiment mettre nos savoirs en pratique et en commun et en partage. Un album, en tout cas conceptuel, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses. Et il n'est pas qu'à écouter, il est à comprendre, à lire aussi, à réécouter, à réécouter sans modération. Et voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc 4 chapitres avec 12 morceaux, c'est un peu comme les 4 saisons avec 3 mois chacun. Il y a des humeurs différentes, des messages différents, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai concept et il y a une vraie spiritualité en tout cas dans cet album. Tout à fait, parce que le concept de base tourne vraiment autour des intuitions. C'est pour ça qu'on a donné le titre à cet album. Et voilà, c'est que la seule vraie connaissance qui puisse être véritable, parce qu'on a tous une éducation différente, on vient tous de bords différents. Je suis personne pour dire tu dois agir comme ça, tu dois vivre ça comme ça. C'est à chacun de savoir écouter ses intuitions et trouver la voie vraiment qui nous convient. Parce que chacun a son propre chemin avec son vécu et les intuitions sont là pour guider tout un chacun. Donc tout ça, c'est à retrouver dans cet album Intuition. Vous l'avez bien compris. Il y a eu la release partie hier soir. Il y a d'autres dates qui arrivent pour défendre cet album. Yes, carrément. On a 2-3 dates encore à venir pour le tour 2015, pour finir le tour de release partie de cette année. Donc ça sera le 4 décembre en Ardèche, au Cascabar, à Joyeuse. Le 5 décembre à Chadrac, à Couveuse. Et puis après, on entame le tour 2016. Et donc là, les dates, on va les faire suivre. Elles arriveront au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Et là, on a des dates. Donc le 27 février. C'est 23-24, Montpellier et Avignon. Voilà. T'as un micro, hein, si tu peux, Gabriel. N'hésite pas. Yes. Les dates arrivent voilà. Pour 2016. Suivre, on va les communiquer sur Facebook, bientôt. On les communique très bientôt. Voilà, de toute façon, vous avez les pages de réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter. Il y a le site aussi, je crois. Ouais. Divise et de I Welcome. Voilà, donc déjà, et après, bah, je suis sûr, il y aura bientôt le site Joe Pilgrim and yes. The Nigerians. Ouais, ils sont en cours. Parce que je pense à les écouter et à les voir se regarder et être complices. Je pense que c'est le premier, mais pas le dernier projet qu'il y aura ensemble. Ouais, et on n'a pas dit, mais on a sorti un clip là il y a peu de temps qui s'appelle Lion. J'allais y venir. Et je remercie le réalisateur Olivier Lacombe, qui est un ami qui nous a fait ça au top. Et c'est un plan séquence. Voilà, un plan séquence, ouais, sous coupure. Ouais, exactement. Et la musique a été jouée en live, donc c'est pas la version de Lion qu'il y a sur l'album. Et pour nous, c'était un beau projet, voilà. Et on est assez fiers de ce clip, et je vous invite à aller le voir. Il y a une autre vidéo aussi avec un extrait acoustique. Ouais. Avec les musiciens, c'est un de tes premiers textes en plus. Oui, tout à fait. Hein, donc, Travel in Babylon. Voilà, Travel in Babylon qui est plein de sens à tes yeux parce que c'est un vieux texte donc écrit avec les tripes d'un certain âge. Ouais. Et enfin, couché sur bande en 2015. Ouais.
Donc voilà, tout ça, c'est retrouvé en tout cas dans cet album Intuition. Je l'ai dans la main. Il est approuvé notamment par Party Time et par plein d'autres médias. Donc c'est gage de qualité. Achetez-le et téléchargez-le légalement, les yeux fermés. Et voilà, découvrez-le. N'hésitez pas à prendre le livret qui est à l'intérieur pour découvrir la lyrics et apprendre voilà, de cette vision humaniste, altermondialiste, spirituelle et limite ésotérique de toute la conception de Joe Pilgrim de la musique. Et tout ça, c'est retrouvé avec The Ligerians dans cet album. Je pense qu'on a à peu près bien parler de tout ça. Ouais. Et puis pour le reste des dates, ça arrive très très bientôt. Yes. J'ai peut-être un petit big up, je te coupe. J'ai un big up à faire. Ça fait longtemps que je suis coupé. Pardon. Gros big up à la réalisatrice Hélène Lee, et écrivaine et journaliste, qui a sorti un documentaire qui s'appelle Le Premier Rasta. Et vraiment, j'invite chacun, chacune à aller le voir. Voilà, Le Premier Rasta, le documentaire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Avec, sur Leonard Roswell, tout ça. Avec, ouais, énormément. Voilà. Et beaucoup de conceptions à faire tomber aussi. Sûrement. Donc, pour tous les intéressés qui veulent voilà, en savoir plus sur l'histoire de Rasta, de Rastafari, consultez donc ce documentaire réalisé par Hélène Lee et voilà, approuvé par Joe Pilgrim himself. Grave. Eh ben, j'espère que tu touches ta com dessus. Et non, allez, sans transition, on écoute le troisième et dernier extrait ce soir avant de les retrouver en freestyle acoustique et sur version de Joe Pilgrim and the Ligerians. Le morceau, c'est Burn Fire, à retrouver d'urgence sur l'album Intuition, en téléchargement légal et en format CD dans toutes les bonnes crèmeries. Babylon, falling of Babylon. Oh, I and I, fire them, and chain down one and all. One and all in all these days, lies and violence govern our lands. One and all in all these days, fears and ignorance govern our lands. Strength, fire, burn, I burn fire. Doom of Babylon, reign of Babylon. Oh, lion eye, fire them, and chain down one and all. Overall, where's the balance if some of them behave like poor children? Overall, where's the balance if some of them behave like poor children? Hey, fire burn, fire burn, fire burn. Fire burn, hey. Burn fire till the flame clean up this place. Even if the suit covered my face, I'm misty fire, help I and I to purify his mind, to step forward as a true living man, establish pure desire, dwell it in my heart, dwell it in my heart, dwell it in my heart. Misty fire, give me the strength to see clear in the night and take the step forward. Just wickedness away, just wickedness away. Babylon, talk lady, my country.
conscious action. Look at the mirror of my selfish reaction. Mash up the laws of Babylon. To mash up the laws of Babylon. Oh, I and I fire them, mystic fire getting higher, strength fire living in us. Mystic fire getting higher, strength fire living in us. So rise up to break down the rules of Babylon. Rise up. Dernier extrait ce soir de l'album Intuition, le morceau Burn Fire. De toute façon, vous inquiétez pas. Joe Pilgrim, on n'a pas fini d'en parler dans Party Time. Il y a d'autres invités qui arrivent très bientôt, qui ont des projets aussi avec lui. Donc ça fera partie d'une seconde partie. On était là surtout pour parler de ce projet-là, Intuition avec The Ligerian. C'est l'heure du live. Sans attendre, dans Party Time, les guitares sont bien réglées, les voix sont bien affûtées. C'est l'heure du live. Joe Pilgrim and The Ligerians dans Party Time. Yes, I am specially party time. Spread our love. It's time, my brother, it's time. Spread our love. We must find guidance to open the gate. It's time, my brother, it's time. Spread our love. It's time. We must find guidance to open the gate. In this world, we should take a better direction for the people of the nation. There is no more time to fuss and fight. No, no more time to live like blind. Spread our love. Na, na, na. Brother, it's time to spread our love. It's time. We must find guidance to open the gate. Brother, it's time. Brother, it's time. Open the gate. In a day, instead of seeking solution, we've turned conflict into an addiction. There is no more time to fuss and fight. No, no more time to live like blind. It's time, my brother, it's time. Open the gate. Said it's time, party time, it's time. Spread our love. It's time. Must find guidance to open the gate. Time, my brother. Open the Gate, à retrouver sur l'album Intuition. Open the Gate, premier extrait en live. On continue tranquillement. Joe Pilgrim and the Ligerians. They gone forward.
Every man have a pilgrim inside himself. Pilgrim is all over the world and spread Jah vibes. See? Aussi à retrouver sur cet album Intuition de Joe Pilgrim and the Ligerians. Le pèlerin, toujours en quête de vérité, tout autour de la planète. C'est comme ça hein, qu'on pourrait résumer la chose. Joe Pilgrim, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Pilgrim, c'est pèlerin. Yes. C'est ça ? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que mon anglais est bon ? Et le pèlerin, il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion. Toutes les confessions en ont, en fait. Et c'est ça que je trouve fort avec ce personnage, c'est que... Et en fait, il a toutes les religions du monde, toutes les confessions, et son seul but, c'est chercher la vérité qui est en lui. Le pèlerin de la vérité, en quête. On continue avec un troisième extrait. Yes, I. Extrait de l'album Joe Pilgrim, Intuition, tout de suite. Vas-y, on va se faire un extrait du morceau Lion, que vous découvrez donc sur le clip sur YouTube. Voilà, Lion. It's an I, Lion. Party time, special big up, Frankie, Chica, yes I am, one love brothers. Hey.
Zion, a distribution time. Oh, Lion, mighty creator one. Protect Zion, a the separation time. Distance and praise to the heights. The mighty one protect us in the night. Despite the doubt, shaking this time now. I and I can keep faith in Zion. Oh, Lion, mighty creator one. Protect Zion in a distribution time. Oh, Lion, mighty creator one. Protect Zion in a separation time. Say, the light of the divine consciousness through my life, higher than the highest human sense. The light of the divine leads our heart. Oh, Lion, mighty creator one, protect Zion in a distribution time. Oh, Lion, mighty creator one, protect Zion in a separation time. Higher than the highest. Party time. The serpent fire, womb energy, created universe and every being. Spiritual guide, said about her that she's a giver of all the power. Let me say, yeah. The mystically rise up in the heart of the people. In each and every being, he is the mighty one, protect I and now. In all this tribulation, they try to corrupt the heart of the children. But the mighty Lion coming at your hands. So, oh, Lion, mighty creator one. Protect I in all this tribulation time. Joe Pilgrim and the Ligerians, l'album Intuition à retrouver d'urgence, c'est conseillé et voilà, et approuvé par pas mal de médias, donc c'est gage de qualité, on vous le répète une nouvelle fois. Il sera en tournée fin 2015, c'est-à-dire le mois prochain, avec quelques dates autour de chez vous. Guettez bien l'agenda 2016 pour le début de la nouvelle tournée. Il y a d'autres projets qui arrivent, ils ne dorment jamais. Ligerians, s'ils ont d'autres projets aussi qui arrivent avec différents artistes, il y aura toujours Rod Anton avec eux. Et Joe Pilgrim, il continue son pèlerinage en quête de vérité. Et il sera bientôt près de chez vous et bientôt encore près de chez nous. Et ouais, on est là ensemble. Merci à vous. Eh ben, il n'y a pas de problème. Yes. Merci. Je fais encore un big up à Max qui nous a suivis toute la semaine. Et Papa Max. Qui était une semaine fragile à Paris et assez éprouvante. Du coup, big up à lui. Quoi. Yes, c'est vrai. Gros big up. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir donné de vous-même et d'avoir prouvé que la musique, elle est bien plus forte que beaucoup de choses. Et que voilà, on ne lâche pas le combat et que le reggae, c'est l'aventure d'une vie. Et que la vie, elle est tellement belle que le reggae est tellement beau. Et voilà, il faut en écouter, en vivre tous les jours. C'est un bon conseil de la part de Francky et de toute l'équipe de Party Time.
On continue tranquillement l'émission jusqu'à minuit. Après nous, ça sera l'émission Les Cousins d'Afrique avec LNM et toute la clique pour l'actualité du reggae, du dancehall et du rap en Afrique. En attendant, c'est party time jusqu'à minuit. Merci Gabriel, merci à toi, à tous les Ligerians, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Rod yes, aussi, ouais. Et merci encore Joe Pilgrim et à très très bientôt. À très très bientôt, et, merci à vous. Bon pèlerinage. Yes, yeah. On continue. À bientôt. À bientôt. On continue tranquillement en musique, dans la joie et la bonne humeur, jusqu'à minuit avec Party Time. Mets-toi bien, mets-toi cool. C'est This Is A One and She. This Is A One and This Is A One and Did I tell you for morning? This Is A One and I'm a hard not to crack, remember that. Hard not to cross, solid like rock. Aiming to the top, till the evening every day spot. Say I'm a hard not to crack, remember that. Hard not to cross, solid like rock. Aiming to the top, till the brightest every day spot. Chaos. Them put a come with them lime and Pepsi. I come with them double D 40. Caustic soda or engine oil. Them have you run well left way. You come with pliers or monkey wrench. This man of words can move an inch. You take me down to the machine shop. Can't find no more tool in your toolbox. Cause I'm a hard nut to crack, remember that. Hard nut to crack, solid like rock. Aiming to the top. Crack, remember that. Hard not to crack, solid like rock. Aiming to the top. Till back bite us, if we just back. On a continué en sélection avec le Hungry Days Redeem. Yeah. Le premier de la série, vous le connaissiez déjà, Luciano. Just like in Hard not to crack. Can't just be. On continue avec China. Smoke it, light it, me like it. Everybody get high, yeah, 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 yeah. Smoke weed and get high, yeah, 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 yeah. Ganja man, smoke it, light it, me like it. Everybody get high, yeah, 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 yeah. Smoke weed and get high, yeah, 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 yeah. Well, what you know? LTL say every slippy light up. The lala not the chalawa, that's when me sipping my cup. Power cut, ganja light and all the city light up. Babylon see that and I wonder if it is righteous. When me feeling down and out a ganja lift me right up. Me no want to hear me bridging them a sniffy white up. Hold a steady medi, make sure that you're living righteous. Don't forget the king of kings, they are sitting beside us. That's why we smoke it, light it. Me like it, everybody. Production du label Larger Than Life Records. Smoke weed and get high, yeah, 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 yeah. Hungry Days Redeem. On était avec Chino. On vient avec l'artiste jamaïcain Bogle. Let me share my story. This girl while me married her, she think it was a joke. When me tell her before me married her, me must get a divorce. She wanna know about my life, she asked me about my wife. Tell her that somebody purple in the ice cream. Which she me ever come, me never misbehave. No deal, me never diss her. Sleep with her, wake up in the morning. You love Jaja, then me kiss her. Yes, Babylon you diss her. Always I dismiss her. You need her in your private, but in public you blacklist her. You don't remember all those years I tried to kill her breed. I try give me a set of mouth to you and cut me speed. But now you say she medical, the whole world she a lead. She will always be my woman in. Et après Bugalo, on vient avec le King Chango, Capleton. Vous êtes bien connectés sur Party Time 106.3 FM dans toute l'île de France et bien sûr sur le www.partytime.fr. Watch out, jump. One in them for the longest time. And
still they never pay me no mind. And even though I try to help and humble, they still wanna see I fall and stumble. But I will never, ever give up your faith, cause I know Rastafari is at the end gate. Await I and I will pass through great tribulations, never get caught in Babylon disillusion. Then me tell them this, tell Mama Africa I'm coming, tell Ethiopia I'm coming, tell them said the fire will be burning, don't shall escape all when them running. Tell Mama Africa I'm coming, Africa my place, Ethiopia I'm coming. Avec l'homme qu'on appelle Capleton, ça c'est les nouveaux cuts de la série Hungry Days. Burning. Hungry Days Redeem sur le label Larger Than Life Records. Music give them where the Rasta are. Fireman a gun and turn up the lava. Kingstown, Cape Town to Addis Ababa. Build up every bridges, broke down every border. Free up West Bank, go and go ask Gaza. Israel and Jerusalem to all the order. Say them a go hard, but we a go harder, harder, harder. That one you need. Tell Mama Africa I'm coming, tell Ethiopia I'm coming, tell them said the fire will be burning, none shall escape all when them running. Tell Mama Africa I'm coming, tell Ethiopia I'm coming. Encore 20 minutes de gros son à passer ensemble. Vous êtes bien calé sur Party Time tous les dimanches soirs à 22h minuit, tu connais déjà la formule. On vient avec un tout nouveau titre de l'artiste qu'on appelle Apology. Apo. Mama speaker. Oh yeah. Killing and jolting. Killing and jolting. Right now. That's the way it seems to go. Brand new Apology. Killing and jolting. Right now. That's the way it seems to go. Killing and jolting. Right now. That's the way it seems to go. Killing and jolting, that's the way it seems to go. Y'a toujours une raison pour aimer, une raison pour haïr, une raison pour rester, puis une voix pour partir, une voix de la vérité, puis une voix pour mentir. Des raisons pour frapper, des raisons pour chérir. Raison n'est pas excuse, ne va pas l'oublier. On ne peut pas tout permettre et vouloir tout justifier. Surtout quand la haine se moque de tous ses corps allongés. Surtout pour des matières premières, le vice et l'intérêt. Killing and jolting, right now. That's the way it seems to go. Killing and jolting, right now. That's the way it seems to go. Killing and jolting, right now. That's the way it seems to go. Killing and jolting. Killing and jolting. That's the way it seems. Brand new Apology. Où est le grand H du mot homme? On la joue petite et y'a personne quand l'heure sort. Oh. Sans porter d'uniforme, nous c'est la paix qu'on chante, ouais la paix sous toutes ses formes. La rébellion n'a qu'un seul mot d'ordre, pour voir le développement aide-nous à crier freedom. On ne peut pas secourir nos écoles, on ne peut pas aider les jeunes si avant l'heure les vieux dorment. Killing and jolting, right now, that's the way it seems to go. Killing and jolting. Seems to go. Killing and jolting. Right now. That's the way it seems. Wicked, wicked tune de l'homme qu'on appelle Apology. Ça fait bien plaisir, ça fait bien longtemps. Le titre s'appelle Killing and Jolting. Monsieur Apology, qu'on big up un maximum. On espère qu'il y aura d'autres titres à suivre. On continue avec l'artiste Holy Gritty. You against I. And gonna be
L'artiste s'appelle Holy Gritty. Production Ocean Tide. Et on continue dans la sélection avec une toute dernière production du label Jamrock Vibes. Le chanteur s'appelle Chesidek. Dédicacé à tous mes real ganja smoker à l'écoute. Chemical THC, tetrahydrocannabinol, weed in its full potential. Marijuana, it is the real green gold. It's the drug, free up your heart and soul. Marijuana, it is the real green gold. Gift from Jah, free up your heart. Big, big, big tune de l'homme qu'on appelle Chesidek. Une production du label Jamrock Vibes. Avec encore une fois une pochette de toute beauté, hein, dis donc. Franchement, on se fait plaisir sur les pochettes. On adore les lions. Celui-là est de toute beauté. On reste sur le même label. On vient avec le messenger Luciano. Can't sleep at night. Luciano. Say we can't sleep at all. To the man them with the child of time. They must shoot up the place. Every minute is a life gone to waste. And we don't save no at all. To the man them with them child of time. They want to shut down the place. We have been God for deal with them days. Bright and early in the morning, you hear the morning. Another one gone, okay. And the victim is a brethren, always laughing. You never trouble no one. No one knows the motive, whether it's robbery or just a killing spree. But all over the community, sadness and misery.
can't sleep at all. Who demand them with them tied up tight? Push a shoot up the place. Every minute is a life gone to waste. Say we no safe, none at all. Who demand them with them tied up tight? Can't sleep at night. Le tout dernier Luciano. Socks and me wallaby clocks and me arrow shirt and me mesh marina, like red, green and gold me ina. Blessed love and greetings, you know this is Ibermar from a father, Black the Varar. You know you're listening to Chica, Party Time Radio. Give thanks in a Francis, my friends, every time. Oh, them walkers, come on, man. L'album Diamond Socks. De l'homme qu'on appelle Ibama. Alongside Terry Riley. In a me diamond socks and me wallaby clocks and a rush shirt and me mesh marina. I tell you, send me in ya where the air go. When me got up, button my shirt, collar, left the rest. Spang, Clarks and Jordans, not the latest tens. In a me Timberland and me a step on them. And me clean. Come on, Ibama, them can't style Rasta, none of them. Rastas are lawyers and doctors, my friend. I gonna follow people, set to own a trend. Oh, you mean? So when them see me step in, them a little lottery, them see me, I'm a beautiful queen. Hey, yo, me know we are knock off, when you think some nice. Look good, you think I crystal, look again, you are ice. In a me diamond socks and me wallaby clocks and a rush shirt and me mesh marina. I red, green and gold me ina. Well, I win me tip in at a senior. Hey, better fit it on, come snap a carter van. African attire, hashtag. Disponible depuis deux jours sur le label VP Records. Le tout nouvel album de l'homme qu'on appelle Ibama. L'album s'appelle Diamond Socks. On était avec le titre justement Diamond Socks featuring Tarus Riley. Deuxième extrait ce soir. This one called Glory of the King. I love
heaven show up. I glory of the king we represent. And if in him you're not believing, just be real and not offensive. Oh, yes, I and I present it. I love and show up. I glory of the king we represent. And if in him you're not believing, just be real and not offensive. Oh, I'm mentally, physically caught. In the world of slackness, me said the whole of them get lost. Free roam, dirty dollar, them go bow to the boss. Filthy, guilty conscience, them my ID at the door. So why you keep on failing? You know the right and do the wrong, you surely get a spanking. So reading to the message I am sending, the words you've been neglecting. Yes, I and I present it. I love and show up. I glory of the king we represent. And if it you're not, we can give it. Just be real and not offensive. Yes, I and I present it. I love and show up. I glory of the king we represent. And if it you're not, we give it. Just be real and not offensive. No, seek ye first His Majesty the King. For every end there's a beginning. So wake from your sleep and slumber. Open your eyes and look within. From 1930, 2nd of November. Yes, and it is real. Everyone should I remember. July 23, put it on your calendar. He was born and raised in Ethiopia. Yes, I and I present it. I love and show up. Le dernier album de l'homme qu'on appelle Aibama, Diamond Sox. On était avec le morceau Glory of the King. Trois extraits ce soir pour vous. On enchaîne dans la sélection avec l'homme qu'on appelle G-Boog. Longside Sizzla Kalonji. Sam Redeem. You know we have to stand firm. Firm in all the struggle, I and I could never fall. We, you know we have to stand firm. Stand firm in all the struggle, I and I could never fall. We, hard work. Oh, when them fights we down, we not give up. Oh, when them talk we down. Sizz like a lunch. Whoa, whoa, whoa. Jay Boog. Well, away. Go. Hey, Babylon. You know we have to stand firm. Firm in all the struggle, I and I could never fall. We, you know we have to stand firm. Stand firm in all the struggle, I and I could never fall. We, hard work. Oh, when them fights we down, we not give up. Oh, when them talk we down, we not so give up. Oh, when them foot we down, we not give up. Nah, give up, we say we not give up. No one can deny this. We daily fight it, fight against the plan they put in place to control it. We're not gonna regress, strictly progress. Forward, never we say backwards, never. Voilà, il est bientôt minuit sur les ondes du 106.3. Tout de suite, l'émission Les Cousins d'Afrique. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, 22h minuit, avec entre autres comme invité Monsieur Yelam et Monsieur Marginal pour la présentation respective de leur projet. En tout cas, passez une bonne semaine. Continuez à sortir, continuez à prouver qu'il faut continuer à vivre, 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 vivre. Rendez-vous la semaine prochaine. C'était l'équipe du Party Time. One love. We not give up. Oh, when them foot be down. We not give up. Nah, give up. It's that we not give up. The African roots we embracing. Any tired that they took the figure that you're hating. They never see the rocks and the bombs they're creating. They never see the problem they use them fighting. Tracing who you gotta be like a soldier. Told you every day we getting old now. There's no new. If you give up then you lose. Work hard, make you better. That is what you gotta do. Stepping up Mount Zion. Stand firm, firm in all the struggle, I and I could never fall. We, you know we have to stand firm in all the struggle, I and I could never fall. We, oh, when them fights we down, we not give up. Oh, when them talk we down, we not give up. Oh, when them foot we down, we not give up. Nah, give up, we say we not give up. No one can deny this, we daily fight it.
fight against the plan they put in place to control it. When I go regress, strictly progress. Forward, never we set backwards, never. So take it how you like it, yeah. But now these are words of truth, yeah. At this we want you know, sir. When I get pushed over, you know we have to stand firm. Firm in the struggle, I and I could never fall. We, you know we have to stand firm. Stand firm in the struggle, I and I. G-Boog, she's like Alonji. We, I when them fight we down. When I give up, I when them talk we down. When I give up, I when them foot we down. Un petit peu de rap musical orchestré par Sista Chica sur les platines. On se met bien, on se met cool. Les gars, pas tous les gens bien connectés sur le www.partytime.fr. Red Warlocks Redeem. Le chanteur s'appelle Whitey. No justice and no equality. Human rights are me pride. Human rights. Tell them say are hard times. People in a poverty war crimes. Crimes against humanity. We can't find no justice and no equality. No love for humanity. Between the lines, policemen say them nah ask no question. Say them have them authorization. Man wanna shoot, police them a shoot. Say we no direction. Bing bang bang. Wicked tune de l'homme qu'on appelle Glenn Washington. Undisputed Records. Flying through the air, say relax, pull up calm, 'cause you must not touch up the natty air. Is a big war a start out the road for a Saturday. Stimula but the pop them off with the multi gear. Hear the natty clear. I swear. And a cream and a hide and a lotion off it go up on my locks. Some boy now wash themselves, they must think like old socks. See the next one, the muse potion to wax. Make them baby face look like disco fox. Golden locks.
Retrolox Redeem avec l'homme qu'on appelle Glenn Washington. Et on refait le lien avec l'album d'Ibama. Le morceau Traveling, extrait de son album Diamond Socks. For us to celebrate, holding tight to the faith. Not saying everything you touch will turn gold, but accept as the truth unfolds. I too long you've been a victim of their mind control. Father, Father, we're asking you to come and secure your kingdom. God's wicked works, them are sharing a lump sum. For every wrongdoer that has been gone is an example of what's right from wrong. So never you be caught, no, in the line well. Troubling me, troubling, oh, I. Traveling me, traveling, oh, to a place where love is all. Traveling me, traveling, oh, traveling me, traveling, oh, to a place. Traveling. Tout nouveau Ibama sur son album Diamond Socks. Encore un extrait de l'album, celui-ci s'appelle Haile. Oh, how you're feeling today. Pave the way for tomorrow. And the joy you're feeling inside never turns sorrow. I know there's a thin line between sad and having fun. But when it's all done, yes, I put my trust in God, only in the heart. Because it is so hard. I only in the heart. Because it is so hard. Many would say that, many would do, but can't do without him. I need a true king, and I know a spiritual existence, but the mighty king is our closest friend. Because it is so hard to I only did not I because it's mighty will never. Father, Father, we are here and we obey even though some don't care. Super album disponible depuis le 20 novembre chez tous les bons disquaires sur le label VP Records. Le tout nouvel album d'Ibama. L'album s'appelle Diamond Socks. Un autre album qui fait du bruit. Le tout nouvel album de l'homme qu'on appelle Million Styles. L'album s'appelle Revelation Time. Déjà disponible. Premier extrait ce soir.
avec la, la famille Morgan Heritage. Never conquer I. Sur le label Undisputed Record, le tout nouvel album de l'homme Million Styles. Deuxième extrait ce soir avec le Warlord, Bounty Killer himself. Equal rights and justice for all. Equal rights and justice. Wicked, wicked tune de l'homme qu'on appelle Million Styles, alongside Bounty Killer, sur son nouvel album Revelation Time, qui est sorti chez Undisputed Records, disponible partout. On reste dans la promotion d'album avec cette fois-ci celui de l'homme qu'on appelle Roman Virgo. Don't fence and miss it, them a get low. Them a knock it and a rock it and a
the bad man, Roman Virgo. Bad man is in town, and anything retaliates a big or done. Me see them a get low. Them a knock it and a rock it and a clap it like a convoy show. I hear them say them bad, but them we know. But the money's in town, and anything retaliates a big or done. But the money's in town, and all who never hear let it be known. Boy. But the money's in town. Them no know if you read ya. Never listen to the news one day. Never check out the media. But them we know what them a go read when them don't plant them seed ya. Signal don't want them long time. So we be them one a leader. Them not take no heed ya. Them not listen mama need ya. But the time you hunt down man to kill, better go hunt for a visa. I go fly overseas ya. One go make life easier. No make you body enough and no freezer. Cause but the money's in town, and anything retaliates and be go down. Oh, but the man is in town, and all who never hear let it be known. Oh, but the man is in town, and anything retaliates and be go down. Oh, but the man is in town. Rude boys around. Wicked, wicked tune de Roman Virgo, The Badaman. Extrait de son dernier album, Lifted, déjà dans les bacs. On enchaîne avec un deuxième extrait. Hook me with actress. Cause man highly protected by the father. So no boy can go round your harder. I a lion in the jungle. Better on the cool and no humble. Dirty bungle. While we fall we not go stumble. God in a me kana. In a me kana. Oh,
Tune avec le chanteur Roman Virgo, le morceau Soul Provider. Extrait de son tout nouvel album Lifted, disponible partout, et bien sûr le titre qui fait un carton, c'est celui qu'on appelle Fade Away, en combinaison avec Assassin. Fade away. I ask you part. No any of them will no link, no part. No, no. Cause I know that the hand can't see it no. They are like the trees we can't blow. I'll join. Sasko. Hey, yo, man. Yo, Sasko. We're rolling this time. When I become my enemy, I ask the part. No any of them will no link, no part. No, no. Cause I know that the heart can't sweep with room. They are like the trees when you bloom, and they shall slowly. Go like that tune, yeah. Why? Bad man stuck in a dem head like a tumor. Dem fake like tree stripe. When a night made by Puma. Dem devil leap a lie, spread a leap a rumor. Start go, you're not to them. I say you got a code. Get your visa, you fly out. Dem I pray for you, drop out them. Sit down, I calculate for in and you account them. Say them are your friend, but them aren't mama for your men, say. Well, you see, I can't sweep with broom. Good or never. They are like the trees when can bloom. Good or never. They shall show you. One of them done enough for them a come a act like. Them a you brother, them good for the backbite. Watch them kill it pretty soon, them a go. Go show them colors like a stoplight. Them calling on a brass fight. Them a so dirty mouth is covered with a scotch bright. Them need a whole reservoir of jelly water if you wash off them out. That good hole in on the back one at the standpipe. I know, got the heart can't sweep it through. Good or never. They are like the trees when can't bloom. Good or never. They shall show you. Tell me, friend, don't trip. So from the other day you see, friend, we don't trip. A family we say because and everything we come and show teeth. And your friend, first if you're making money, only enough. Last them way is like the sheep, back a little more peep. Watch them killing evil queen, don't sleep. Cause in the yard they sleep, you won't see it. Boy,
La Wicked Wicked Tune de l'homme qu'on appelle Roman Virgo, Longside Assassin et Agent Sasko. Pour le morceau Fade Away, on revient directement avec l'album de Soumti, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup Soumti. Alors bien sûr, l'album est dans un léger différent style. L'album s'appelle Free as a Bird. Ce soir, on vous propose de découvrir le morceau Politic Man. Une remise en cause à prévoir du côté de nos chers politiciens. Il y a peut-être quelques dysfonctionnements dans ce qui se passe actuellement. Album disponible depuis le 13 novembre sur le label Chapter 2 Records. Soumti, tout nouvel album, Free as a Bird. Et on va justement se quitter sur le titre éponyme de l'album, comme dirait mon Bridwin Frankie. Notre dernier message, on restera toujours libre, comme les oiseaux. Free as a Bird, on vous quitte là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine. The room. Who are you that I see?
deal. I've got only one heart to heal, only one to steal. Like a criminal copper, driving lady crazy, put my head in the blotter. Singing to my ear, do it clear, I never stop. Get caught by the raindrops, you got the luck for life. I might like a night light up. Baby, you and me will take it to the top.